Burn-out is eigenlijk een belangrijk maatschappelijk probleem. We hebben nu meer mensen die eigenlijk ziek zijn, langdurig, dan mensen die werkloos zijn. Het is ook gemakkelijker om terug werk te vinden dan van een burn-out vanaf te geraken. L'idée du départ, c'était de faire un travail démocratique pour un petit peu voir où étaient les besoins et voir ce qui existait. Et en fait, ce qu'on voyait, si on regarde la ligne entre la prévention primaire et la réintégration, on avait des actions, mais c'était un peu disloqué et il n'y avait pas une continuité, il n'y avait pas de fil rouge. Et donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait créer des projets dans ces creux, dans ces vides. Et comment faire? Soit convaincre des administrations de rien pour commencer, soit travailler avec des volontaires qui y croient. Et donc, mon option, c'était plutôt celle-là, de dire, bon ben voilà, on fait un cahier de charge et on cherche des politiques intégrées qui y croient, présentent son projet. C'est comme ça que ça a commencé, en fait. Je pense que l'approche innovative qui avait été mise en place et qu'on avait déjà souligné hein, au départ du projet a fait en sorte que c'était un succès parce qu'elle a eu le mérite de fédérer des acteurs d'horizons différents, avec chacun des objectifs différents, autour d'un même objectif finalement qui était celui de se dire, OK, il faut qu'on puisse proposer des outils au plus grand nombre pour faire en sorte de prévenir le mieux possible toutes ces affections psychiques liées au travail et surtout le burn-out. Ce qui a été, je pense, réussi ici, c'est d'arriver à mettre tous ces acteurs autour d'une table et de les faire réfléchir à une approche beaucoup plus globale que juste l'approche d'un professionnel tout seul dans son coin, une approche vraiment multidisciplinaire. Ben moi, j'étais au départ, j'étais un petit peu sceptique, je ne le cache pas. Mais j'étais impressionné par les capacités d'organisation logistique qu'ils ont pu mettre en place. Le fait aussi que parvenir à constituer un groupe de pilotage, le CSE, qui a très bien fonctionné, dans lequel il y avait une très très bonne, je dirais, entente au sein du groupe et une vision commune. C'est un projet qui caractérise bien les missions, je dirais, que Mobus veut donner dans ses différents projets. Donc, dans nos valeurs, on a l'impact sociétal. Et donc ici, je pense que c'est un projet qui touche clairement à l'impact sociétal, donc dans lequel on pouvait avoir un enjeu important au niveau politique, au niveau stratégique, et aussi agir avec des acteurs de terrain. Et donc, je pense qu'on peut être très fier d'avoir mis ensemble des acteurs qui ne parlent pas ensemble d'habitude, qui sont sur la même thématique et qui peuvent avoir une diversité de points de vue pour vraiment proposer des réelles préventions du burn-out qui fonctionnent. Ils ont trouvé une modalité, une méthodologie, une pédagogie de la réflexion et du partage tout à fait étonnante, avec une prise de risque maximum sur un sujet incroyablement sensible. Et ils ont mis ensemble des gens autour d'une table ou de plusieurs tables, mélangeant les différents acteurs, venant de tous bords, avec une polarité nord-sud. Mais cette idée d'aller rechercher les thèmes qui pourraient faire l'objet d'une recherche en termes de prévention au départ des expériences de toute une série d'intervenants, je veux dire que moi j'ai été bluffé par cette méthodologie-là. Eigenlijk zijn we heel trots bij hetgeen dat we kunnen realiseren hebben. Ook het proces was heel boeiend. We hebben van in het begin ervaren dat dat iets was wat dat, de mensen raakte. Wat tegemoet kwam aan een reëel probleem. Les journées qui sont organisées comme aujourd'hui permettent d'abord à tous les porteurs de projets de se présenter. Et donc effectivement, dans d'autres structures, il y a des idées très intéressantes en matière de gestion des burn-out. Je pense à la création d'un trajet, d'une trajectoire, d'un accompagnement personnalisé. Et c'est aussi intéressant pour l'ensemble des services présents aujourd'hui, non seulement de prendre connaissance d'autres projets, mais aussi d'échanger à propos de leurs projets. Et donc l'échange de bonnes pratiques est très important. Ça permet d'une part d'améliorer ses propres projets et d'autre part peut-être de créer de nouveaux projets. Ons project is zeker overdraagbaar naar andere sectoren, mits enkele aanpassingen, mits zeker ook maatwerk, waarvoor wij ook wel staan, maatwerk en flexibiliteit. En dan zien wij zeker een grote overdraagbaarheid mogelijk naar andere bedrijven, andere sectoren, waardoor ons project nooit een einde kan lopen.
Ce que je prends comme enseignement de ce projet, c'est qu'on a pu apporter une réelle plus-value. Donc on n'était pas spécialiste dans la prévention des burn-out, mais on a mis en place une rencontre avec tous les acteurs et qu'au final, même sur des sujets complexes sur lesquels on n'est pas spécialiste, on a pu apporter une réelle valeur ajoutée rapidement par notre maîtrise de la facilitation, de faire se rencontrer les gens pour aller dans une même direction. Donc ça, c'est pour moi des grands succès, je dirais, du projet et quelque chose dont on peut être fier, quoi.